Merwan Chapalin, la 208, dernière 208 officielle, et la DS3 du leader du championnat, le Romuald Delaunay. Vous avez vu quelle vitesse arrive au bout de la ligne de droite, de 0 à 100 en 1.
top, Samuel. Il a le meilleur avec le 208 et qu'il ouvre le départ, qui a fait le meilleur départ à Clébro pour qu'il se remette dans le rythme. Et Emmanuel Han aussi, il a loupé le départ. Et les peintures Durand et Durand. Incroyable ce que fait maintenant le pilote d'Ambrière les Vallées. Après une troisième place sur le circuit et de essai. Voilà, il prend le tour joker maintenant. Julien Fébron. Et Anne fait comme peut, il s'envole sur la bosse. Il est propre là, Emmanuel. Allez, Manu. Derrière lui, Yannick Couillet. Troisième. Stéphane Deganet. Quatrième. Julien Fébron. Le pilote. Ça glisse, ça glisse. Oh, okay. Et regardez qui est devant, la plus petite des voitures, qui est devant. Et Yannick Couillet, il ressort devant encore une fois. Manu. Stéphane Deganet avec la DS3 bleue, devant Julien Fébron. Emmanuel Han a pris le tour joker. Le retour. Ah, c'est Yannick Couillet qui prend le tour joker. Il est là, le troisième. Ouais, voilà, ça se dispute tout là. Allez, devant nous, on connaît, ça y est. C'est gagné, c'est bon. Allez, tour joker. Ça t'a pris, Hervé. Merci, c'est derrière.
qui le prennent. Le tour joker. Ah, c'est propre maintenant. Récupère une belle troisième place derrière avec Dabic et Poirier.